Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment peser vos lettres sans aller à la poste. À tout de suite. Donc, dans Internet, nous allons. Alors, pour mieux voir, je vais me mettre en 100%. Donc, dans Internet, ici, on va taper pèse lettres. Tout simplement, pèse lettres. Voilà. Alors ici, hop. Plus besoin de peser votre courrier ici. Donc là, je clique dessus et je vais me retrouver sur le site internet de Pezlet. Donc, imaginons qu'on écrive à quelqu'un, on utilise donc une feuille A4. Donc je vais prendre une feuille A4 ici. Je lui envoie, donc j'écris avec une enveloppe simple, donc une enveloppe. Et puis à l'intérieur de cette enveloppe, je vais mettre 5 photos 10-15. Je veux l'envoyer en France en écopli, par exemple. Et bien je vais appuyer ensuite sur calculer. Et il me dit que mon courrier pèse 26,2 grammes. Et on doit la franchir à 0,78 euros. Nouvelle démonstration. Ce coup-ci, je vais utiliser une enveloppe matelassée. Donc, par exemple, 170 par 230. J'ai une. J'ai un CD-DVD avec son étui. J'ai par exemple 30 photos. J'ai trois enveloppes, trois papiers A4. Ici, je veux aller en France rapide. Je fais calculer. Là, mon courrier pèse 161,2 grammes. Et donc, je dois la franchir à 2,40 €. Allez, dernière démonstration. Ce coup-ci, j'envoie vers les États-Unis. Donc là, je vais prendre vers zone B. Ici, je vais prendre une zone, une enveloppe 114. Je mets ici 2 à 4. Je mets une photo. Et là, je fais calculer. 16,8 grammes. On doit la franchir à 0,89 euros. Je vous remercie de votre attention. Et espère vous retrouver très bientôt sur mon site internet http://la-formatique.com.